Salut, c'est Fanny. Eh bien, aujourd'hui, on est au Sable d'Olonne. On va aller faire du gyropode avec la Vendée à gyro. Salut Xavier. Salut Fanny. Alors aujourd'hui, on est au Sable d'Olonne, du côté d'Olonne-sur-Mer. C'est ça. Toi, tu es le créateur de la Vendée à gyro. C'est exactement ça. Et on va aller faire du gyropode ensemble. Dans la forêt d'Olonne. Dans la forêt d'Olonne. Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors en fait, le principe est simple, c'est un système d'équilibre. Donc une fois qu'on a posé un pied dessus, l'engin nous détecte. D'accord. Il reste stable. Mm-hmm. On a juste à monter dessus après, bien sûr poser ses mains sur le guidon. Ouais. Et avancer en inclinant légèrement le corps vers l'avant. C'est vraiment léger. En fait, on a à la fois le frein et l'accélérateur. On penche un petit peu en avant et on se met un tout petit peu en arrière pour freiner. Okay. Et juste ça nous fera avancer. Après, le guidon, il sert juste à tourner. C'est super simple. Tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Donc, il n'y a pas d'âge. Petit et grand, il n'y a pas d'âge. Exactement. Super. À partir de 5 ans. On peut s'amuser. Ouais. Et j'imagine que tu vas quand même mettre un petit casque. C'est mieux. De protection. Oui. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Non. Au cas où. Au cas où. Ouais, c'est mieux. Eh bien, c'est parti. Ça marche. Let's go. Je mets mon pied, ça stabilise. Hop. Et pour avancer, surtout tu lâches jamais les mains. Tu vas droit devant toi. Et pour freiner, légèrement en arrière. Okay. Et pour faire demi-tour après, tu tournes sur le côté comme ça. C'est électrique? Oui. D'accord. Et tu peux aller au loin et tu tournes ton guidon un petit peu pour avancer. C'est rigolo. Doucement, ouais. On peut aller vite? On peut aller jusqu'à 17-18. Ouais, c'est pas mal déjà. Après, ils sont bridés. Et si tu roules trop vite, il va te faire un petit retour de palier en arrière pour te faire ralentir, en fait. D'accord. Toutes les balades, on est accompagné? Toutes, ouais. Comme ça, tu expliques un petit peu ce qu'on voit, comment ça fonctionne. Exactement. Donc, on raconte aux gens un petit peu ce qui se passe dans le coin. Ouais. Parce que c'est beaucoup de touristes, donc ils connaissent pas la région. Donc là, Xavier, on va partir dans la forêt d'Olonne. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va redécouvrir la superbe forêt d'Olonne, en fait, qui est super grande. Mmh. On va passer le petit chemin qui est derrière, on va passer à un centre équestre. Et après, on va filer direction les marais. Ok. Eh bien, on y va. Let's go, c'est parti. T'es prête? Allez. Allez, feu. Techniquement, comment ça fonctionne, le gyropode? Il détecte votre poids, en fait. Il s'adapte à la situation. Ça. Donc en fait, à partir du moment où on a posé le pied, il se stabilise. Exactement. Il détecte. Il détecte ton corps, ton poids, et après, il est prêt à partir. Ce sont des gyropodes électriques. Oui. Et tu peux faire combien de kilomètres en balade? En gros, on pourrait faire entre 35 et 40 kilomètres. C'est accessible à tout le monde. Tu commences à partir de quel âge? À partir de 5 ans et demi, 6 ans, pour les plus dégourdis. Ouais. Et il n'y a pas d'âge, en fait. Donc tu peux en fait monter, descendre le guidon, c'est ça? Exactement. Il faut juste avoir un minimum d'équilibre. Mm-hmm. Et après, il n'y a pas d'âge, en fait. Du moment qu'on a un petit peu d'équilibre, on sait tenir droit debout. Et après, la balade s'effectue très, très simplement, car les pistes cyclables sont très sympas. Il n'y a pas trop de trous, de bosses, donc les chemins sont assez plats. Donc les gens se débrouillent pas trop mal. Formule, comment ça se passe? On a des balades qui durent une heure ou deux heures en gyropode. Ouais. Les balades de deux heures, en plus, on fait des dégustations d'huîtres. Donc cool. On les coupe avec des petites sorties gyro. Donc on va à la plage des Granges et on fait des petites planches charcuterie fromage. Et on fait aussi des petites dégustations d'huîtres qui sont face mer. Puis au final, on est quand même tout le temps en action. On se rend pas compte, mais on a l'impression que c'est cool. Mais non, en fait, il y a quand même de l'action. On bosse quand même, il faut être concentré, il faut faire attention à la route, aux gens. C'est ça. Faire attention à tout. Merci Xavier. Merci à toi Fanny. À bientôt. Balade à gyropode, si vous voulez tenter, contactez la Vendée à gyro, vous appelez Xavier et vous serez très bien reçu. Tango Basket, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une prochaine émission. Ciao !